Oui, comme nous l'avions annoncé le mardi, que lui-même, l'ambassadeur, l'avait dit que nous devrions nous revoir, voilà pourquoi l'invitation nous a été lancée ce jeudi. Lors de notre entretien, nous avons parlé sur l'accord des minerais avec le Rwanda et l'Union européenne. Et sur ce point-là, il nous a tranquillisés en disant, travaillons ensemble pour faire en sorte que cet accord, au lieu que ça soit avec le Rwanda, que ça puisse être avec la République démocratique du Congo. Il a manifesté son intention que nous puissions continuer ces échanges de manière à matérialiser toutes choses. En ce qui concerne la guerre, il a dit tous, l'Union européenne comme les autres institutions internationales, sont d'avis que la guerre doit s'arrêter. Les Congolais ne peuvent pas continuer de mourir. Par là, il a dit, nous, comme plateforme des confessions religieuses, que nous puissions transmettre un message d'unité. Et aussi, il a ouvert une parenthèse, que le mal est qu'il y a certains Congolais, véritablement Congolais, qui s'enrichissent dans cette crise. C'est par là que nous lançons un message patriotique à ces Congolais-là qui pensent qu'il est bon d'éterniser la guerre pour qu'ils trouvent des richesses. Alors là, ce n'est pas un patriotisme. Et à tous les Congolais de privilégier l'intérêt national, à tous les Congolais de voir le Congo uni, à tous les Congolais de voir un Congo fort. Et il a sollicité que nous, comme plateforme de confession religieuse, nous puissions travailler dans le cadre de la médiation pour amener un message d'apaisement. C'est là que nous disons, nous attendons. Et puis, dans notre prochaine rencontre avec Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de l'Union européenne, nous vous dirons un peu plus. Bon, leur contribution, c'est comme nous a dit l'ambassadeur, que tous ont compris que cet accord, le timing n'était pas bon, que cet accord n'était pas en tout cas opportun, que ce message puisse résonner, que les confessions religieuses attendent des actes concrets, tourner cet accord au lieu de le faire avec le Rwanda, mais le faire avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est ça le message que nous disons à tous les pays membres de l'Union européenne. Peuple congolais, soyons vigilants. Peuple congolais, soyons unis. Peuple congolais, dénonçons quiconque est congolais et qui se met dans cette barbarie afin qu'il cesse et que le Congo s'élève. Et par là, les Congolais vivront dans la paix, la joie et jouir de nos richesses que Dieu nous a données. Le Dieu de paix soit avec nous tous.